Bonjour à tous, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 SimCity. Donc on va tout de suite reprendre la ville d'Arras, qui est une ville touristique pour ceux qui rejoignent le Let's Play. Donc aujourd'hui on va forcément encore développer et le tourisme. Voilà. Donc la dernière fois on s'était arrêté en faisant un événement. On avait mis un concert de rock dans la salle des fêtes. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref. On avait aussi rajouté un monument touristique. Donc c'était la Statue de la Liberté. Et les gens sont contents. Apparemment, à 80% de taux de popularité. On commence à avoir des mini gratte-ciel. Ou des grandes tours, quoi. On avait un peu agrandi les casinos, on avait agrandi le siège de jeu. Voilà, voilà. Donc on va accélérer le temps tout de suite. Voilà, j'avais raison, c'était un concert de rock. Donc, on avait aussi rajouté ce casino, qui est le casino futuriste, et qui m'a l'air de marcher très bien. Voilà, donc on va lui rajouter un truc. Panneau holographique ou non, c'est plus beau ça quand même. Ça fait plus casino futuriste. On peut rajouter une scène des stars, une discothèque ou une chambre fusée. Je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est déjà bien. Voilà, on va faire un peu le tour de tous les casinos. Donc celui-ci, il est très rentable. En plus, on avait déjà rajouté quelques petites extensions. On avait rajouté un salon de poker. Bon, on peut rajouter un salon de craps. 900. On va mettre un salon de craps. Ici, ce sera bien. Et bah voilà, c'est bien ça. On peut l'empiler? Non. Donc voilà pour le casino coquet. Bon, le casino là-bas, il marche bien, mais bon, y a rien à améliorer. Hein. Le casino romain, c'est celui-là qu'on avait bien amélioré aussi. Alors, une salle de baccarat. On s'en peut pas. Ah oui, c'est vrai. Non. On peut encore mettre une salle de concert, mais je pense que c'est bon. Bon, allez, on va rajouter encore une deuxième... Ah non, attendez. Déjà, on va regarder s'il fonctionne. Non, justement, il fonctionne pas. Donc, on va attendre encore un peu. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai dépensé tout mon argent, mais je me suis éclaté. Bon, bah, c'est bien. Ensuite, on va regarder vite fait l'électricité et l'eau, c'est bon, des eaux usées. Ah ouais, les eaux usées, on commence à être juste. Hein. On va aller améliorer ça dans Béthune, c'est ça. Ah oui, puis il faut qu'on donne un nom aussi à la ville, à l'autre ville qui nous aide à produire notre électricité. Donc là, on doit améliorer la station d'épuration. Parce que là, ça commence à devenir critique. Allez, dépêche-toi. Ah, aussi, j'ai acheté un nouveau casque. Donc, je sais pas, là, je filme avec le micro du nouveau casque. Je sais pas s'il y a une grande différence. Vous me disiez si, dans les commentaires si c'est mieux. Ça me fera plaisir. Allez, ici. Et si on peut encore rajouter, c'est parfait. Voilà. La centrale, escalier. Ouais, on avait atteint la limite. Bon, c'est bien ça. En plus, on a plein d'industries ici. Donc là, c'est une usine à saucisses. Voilà, pour la plus grosse usine de la ville. C'est vrai qu'on produit aussi du charbon. Ouais, c'est du charbon. Donc ça, c'est pas mal. Hop, allez, on retourne sur Arras. On est quand même à presque 150 000 habitants, hein,
ce qui est déjà énorme quoi. Et on va regarder aussi, j'ai vu que sur le côté, on pouvait savoir le nombre d'années dans le jeu, hein, forcément, depuis la création de la ville. Enfin, le temps que j'ai mis à développer, par exemple. Ouais, bon, on va regarder ça tout de suite un peu. Aussi, je fais tout en vidéo, hein. Sauf pendant les ellipses, forcément, mais je vais jamais sur la ville, ou très rarement. Peut-être pour faire mes miniatures, mais c'est tout sinon. Après, je vais pas sur la ville, j'améliore pas pendant que je suis pas en vidéo. Voilà, je voulais vous dire ça aussi. Bon, maintenant, il faut que ça charge. Allez. Réglage de la fréquence lama. Tout à fait. Alors, les eaux usées, bon, faut attendre un petit peu que ça arrive hein, quand même. En plus, on gagne 23 000 de l'heure. C'est aussi juste énorme. Hop, on va rajouter une piste. Pour l'instant, ça ira. Ah, excusez-moi, téléphone, on fait une ellipse. À tout de suite. Excusez-moi pour cette ellipse, c'était pas prévu. J'ai eu mon téléphone qui sonnait. Donc, je vous ai fait une ellipse. Bon, on remet le temps à fond. Et ça fait. Bah, ça fait juste 2 ans. Hein, et puis, on a déjà une ville. Une ville pas mal développée, je trouve, quand même, en 2 ans. Bon, voilà pour le point. Le casino romain, il faut faire quelque chose là, parce qu'on perd de l'argent. On n'a pas de touristes élevés, en fait, presque. En fait, je sais pas trop bien comment les attirer, les touristes élevés. Pas assez de clients. Pas de clients, pas d'argent. Ah ouais, d'accord. Ah, je sais. On va les attirer autrement. On va mettre des trains. Alors, par contre, où? J'espère que ça va passer. Je vais essayer de remettre des rails un peu ici. Hop. Ah ouais, ça marche pas. Je voudrais qu'il soit bien droit. Bon, tant pis. Non, ça passe pas. Bon, de toute façon, on a beaucoup d'argent. Je vais le refaire une ou deux fois s'il faut encore. Comme on a de l'argent. Par contre, des fois, j'ai eu des fois où j'avais pas du tout d'argent. Et je me suis trompé dans des routes et c'est bien embêtant. Non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Je vais supprimer ce bout de rail. C'est pas là, c'est là. Je vais quand même regarder si on peut pas le mettre un peu. Non, de l'autre côté, c'est même pas possible non plus. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le mettre là. Là ou là. Bon, à vrai dire, c'est carrément pareil, mais bon. Allez, là. Si ça se trouve, je vais pas pouvoir raccorder la route. À tous les coups, ça va être ça. Et voilà. Celle-là, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on a beaucoup d'argent. Hein. C'est impossible, normalement, ça en vrai. Le jour où vous voyez quelqu'un qui construit une garpie, il la détruit après. Ce serait un peu dommage déjà. Puis en plus, ça passe pas dans ce sens-là non plus. Ben, bravo. Bon, c'est pas grave, on va faire un arc de cercle. Comme ça. Oh, c'est pas possible ça. Et il veut vraiment pas le. Allez, fais-moi une route. Je veux une jolie route. Allez! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire en 2 fois. Non, là, ça fait pas beau non plus. Voilà. Voilà, c'est plus joli comme ça. Alors, la gare, bon, pour l'instant, forcément, on vient de mettre la route, donc ça peut pas aller encore super bien. Normal. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un parking. C'est fait. Je vais. Ah, on peut, ah, bah, si, on peut mettre. Je vais mettre un machin de tram ici. Voilà.
Bon, les bateaux, justement, là, on peut pas trop en avoir. Hein. Les avions, on en a. Des trams et des bus, c'est bon. Avion, où c'est... On va aller voir à l'aéroport s'ils nous proposent quelque chose. Parce que j'ai l'impression que ça galère un peu. Ils me proposent rien. Bon, c'est pas grave. Ah, alors, l'événement. Eh ben, c'est complet, parfait. Sniff, quelqu'un a un mouchoir. Non. Hop, on va en refaire un. Et on est à 160 000 habitants. Et presque 30 000 de revenus en heure. Donc ce qu'on va faire, je vais encore baisser un petit peu les impôts. Voilà, comme ça tout le monde est content. On va essayer les boutiques, mais... Bon, ça va pas l'air de baisser trop. Un peu quand même. Voilà. Tout le monde est content. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe encore. Augmenter la valeur du terrain. La criminalité nous préoccupe. Augmenter la valeur du terrain. Bon, ok. Apparemment, il y a beaucoup de malades et beaucoup de criminalité et de pollution. Là, je viens de voir. Réduisez la pollution. Alors, c'est quoi qu'ils veulent? Réduisez la pollution de l'air. Bah, comment tu veux que je fasse ça? J'avais même pas vu qu'il y avait beaucoup de pollution. En fait, ça doit être les industries à côté qui produisent de la pollution. Je pense. Mais là, il n'y en a pas en plus de la pollution. Bon, c'est pas grave. La police... Ah oui, les cellules sont pleines, c'est pour ça. Cellule au deuxième. Est-ce que je peux... Voilà. Est-ce qu'on peut encore en empiler une au-dessus? Bah ça c'est parfait. Voilà. On va mettre un hélico de police au-dessus du bâtiment. On sait pas au-dessus mais c'est pas grave. Prévention du crime, bon, on n'a pas trop de sous en fait. Et on va remettre des voitures. Bah si on n'a pas trop de sous, non. On n'a pas trop de place, je voulais dire. Voilà. Maintenant on a 190 cellules, ça devrait aller. Et les malades de la clinique, je me souviens plus où je l'avais mis, ici. Bon bah ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, on n'a pas de service d'urgence ni sanitaire. Bon, on va mettre une ambulance. On va mettre le panneau. On va mettre un service d'urgence. Et on va mettre un service sanitaire. Bon, par contre, je sais jamais où mettre les extensions. Je sais pas. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même système que nos casinos. On va faire des mini-routes. Enfin, des mini... Pas des allées, hein. Et puis, on va mettre les maisons. Enfin, les extensions dessus, je voulais dire. Si on pouvait éviter de casser la cible de villa. En fait, on... non, ça marchera pas. Je serais obligé de casser ça. Par contre, le grand immeuble, là, je veux pas le casser. Et là, je suis pas sûr que ça passe. Bon, c'est pas grave. On va faire normalement. On va mettre notre service sanitaire ici. Je vais en mettre un deuxième. Et les chambres d'hôpital, c'est bon. Hein. Allez, ça ira. Du coup, on perd un peu de l'heure, mais bon, c'est pas trop grave. Augmenter la valeur du terrain. Augmenter la valeur du terrain. C'est les cas tombent, faites quelque chose, trop d'accidents, nous partons. Bon, ça on verra après. Il y a trop de criminalité, des livraisons de marchandises. Trop de criminalité, pas assez de clients, bah bravo. Bon, ok, faut qu'on se occupe des industries. Mais avant, j'allais faire un autre truc, mais je sais plus quoi. 170 000 habitants. Est-ce qu'on a des chômeurs? J'espère pas trop. Bon, ça va, 500, c'est pas trop. La mairie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous devons penser à l'avenir.
un projet plus tard. C'est le projet archéologique qui nous redemande réduire la pollution de l'air. Bon, bah ça c'est pas... Il y a zéro industrie, donc je vois pas comment ça peut être pollué. Est-ce qu'on a des ruines? Oui. On en a une, faible valeur du terrain, faible valeur du terrain. Et à mon avis... Pas cette client. Je pensais que ça allait être faible valeur du terrain, mais non. Bah en fait ici ça doit être faible valeur du terrain parce que j'ai rajouté une piste et du coup ça doit faire encore plus de négatifs sur le terrain. Ouais c'est ça. Bon c'est pas grave, on va mettre ça. Et puis on va rajouter un... Non, on va cliquer dessus pour voir ce que c'est. Ok, c'est une fontaine. Là, on va mettre une de l'autre côté. Voilà, parfait. Bon, le monde devait être content là. Ça monte pas fort, j'ai l'impression. Bon, il faut qu'on livre des marchandises, c'est pas grave. Bon, bah, c'est déjà plein. Parfait. Est-ce que notre casino romain fonctionne? Bon, un peu mieux que tout à l'heure, mais toujours pas. Il nous fait perdre en fait. Ça. On peut pas l'améliorer, bon ça c'est un peu normal. On n'est pas encore une ville avec des casinos géants. Le aéroport, ça se passe bien. La gare, ça se passe très très bien la gare. Hier j'ai même l'impression qu'elle ramène beaucoup beaucoup de touristes. On va regarder ça. Ah ouais, on a beaucoup de touristes. On commence à avoir des touristes élevés hein, aussi. Enfin, de richesse élevée. Bon, pas énormément, énormément, mais on commence quand même à en avoir. Voilà, bon. Bref. On peut encore ajouter des casinos. Bon, je suis bien tenté de mettre le casino élégant, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez de touristes élevés pour le mettre. On verra le casino élégant pour après. Après qu'on aura fait des... Non, dans les marchandises, on verra dans deux petites secondes. On va regarder un peu la criminalité. Ah ouais, c'est surtout au niveau des casinos en fait. On voit qu'il y a des taches rouges où il y a les casinos. Ici, une tache un peu moins foncée. Ici aussi. Pourquoi au parc? Je vois pas pourquoi c'est ici. Ok. Vite, 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 vite. C'est bon. Bon, bah, ça a l'air de se rétablir un peu la criminalité là. J'avais vu qu'on pouvait rajouter ça. Ayez une approche proactive et envoyez vos officiers dans les écoles, les parcs et les autres sensibilités, les enfants contre le crime. Bon, on peut essayer de le mettre. Allez. Ah, bah, il y en avait déjà. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut en mettre d'autres dessus? Non. C'est pas grave non plus. Bon, voilà. Les écoles, c'est vrai qu'on s'en est pas encore occupé. Et ça a l'air d'aller pour moi. Enseigner à 3000 Sims. Bon, ça a l'air d'aller. On va essayer de rajouter quand même peut-être une école. Non, votre... Non. Bon, je vais baisser un peu le son dans le casque parce que ça va un peu fort. Voilà. Je sais pas trop où la mettre l'école. À la place, on va plutôt mettre une bibliothèque. Je vais la mettre ici. Voilà. Une bibliothèque à un coin de la ville. Et de l'autre côté aussi, on va en mettre une en fait. Ça prend un peu beaucoup de place. Là, il y a des maisons. Parce que je voudrais pas détruire les grandes tours. Ah bon, en fait j'ai mis une école à la place. Bon bah tant mieux en fait. Alors, on va tout de suite mettre des classes. Ah là je casse quelque chose. Bon c'est pas grave. Hop, on va mettre tous les autobus qu'on peut. Par contre là on commence à perdre sérieusement beaucoup de l'heure.
Hop. Hop. Voilà. On va mettre des arrêts de bus un peu partout dans la ville. Voilà. Pas trop en centre-ville parce que c'est beaucoup des magasins. Hop, ici. 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 Et ici. Bon, de toute façon, après, les autres, ils iront à l'école normale. Voilà. Enfin, à l'université, quoi. Voilà, les classes sont déjà pleines. Donc, c'est, je crois que c'est... Bon, on peut éventuellement détruire le bâtiment là, mais c'est un peu dommage quand même. J'aurais pu décaler l'école encore par là en fait. On va supprimer l'école. Parce que je suis très économe. Et du coup, ouais, on va la décaler plus comme ça. Et là, du coup, on pourra mettre des classes sans détruire le bâtiment. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. On va mettre tous les bus qu'on peut. Donc là, ça fera une école de 950 places. 950 places, ouais, c'est ça. Voilà, parfait. Bon, on va voir qui est éduqué. Oh, ça a l'air d'aller. Il y a quand même des gens qui sont pas inscrits. Voilà, là ça commence à s'inscrire. Ouah, ça monte vite. Bon. Je sais pas combien ça fait de temps qu'on a commencé la vidéo. Et je sais pas non plus pourquoi. Ah ouais, ça a pas encore été envoyé à mon avis. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ellipse et on se retrouve tout de suite dès que j'ai réglé le problème des eaux usées et que j'ai regardé faible valeur du terrain et que j'ai regardé le nombre de minutes que ça fait que la vidéo est commencée. A tout de suite. Alors, j'ai réglé le problème des eaux usées et là je viens de voir qu'il y a des bâtiments abandonnés, donc pas mal, en plus des grandes tours à l'abandon, à l'abandon. À l'abandon, à l'abandon, encore une là-bas, à l'abandon. Je savais même pas que ça existait. À l'abandon et à l'abandon, d'accord. Ah, encore une là-bas et à l'abandon. Parfait. J'ai vu aussi qu'on gagnait beaucoup moins. À cause de, je sais pas, on a fait beaucoup de choses aussi dans cette ville. Donc là, on va remonter un petit peu les impôts. Hein. Voilà. On va regarder comment ils ont content. La police assure notre sécurité, donc ça c'est bon. Calme de présomption du crime soit là. Nanana, nous avons les nouveaux bâtiments, c'est cool. Contraire que nos enfants n'aillent pas à l'école. Berk, c'est dégoûtant tous ces gens. Bon, normalement les enfants ça devrait aller avec la nouvelle école. Il y a trop de criminalité. En plus c'est les pas fortunés qui se plaignent. La criminalité nuit aux affaires. Il y a trop de criminalité dans le coin. Des marchands. Des marches. Ouais, bon, d'accord. On va regarder encore la criminalité. Parce que normalement, ça devrait aller un peu mieux. Non, on a emprisonné beaucoup de criminels. Bon, c'est vrai qu'il y en a encore dans la ville, mais bon. Ça va de mieux en mieux, là, normalement. Hop là, on en voit qu'ils sont dehors en train de chercher leur cible. Mais avant, ici, c'était orange. C'est bon, on est repassé au blanc. Ici, bon, voilà. Là, on a une tour qui se fait cambrioler. Je sais pas... Voilà, c'est bon. En train de patrouiller. Bon, voilà, ils sont en train de rétablir l'ordre, quoi. Alors, les germes. On a quelques morts. On a un blessé, bon ça c'est de sa faute s'il est tombé dans ses escaliers. Et pourquoi on a encore une clinique? Ah ouais, d'accord. En fait,
J'ai oublié de la détruire celle-là. Clinique, détruire, voilà. On va regarder le nombre de morts et de blessés par jour. Un mort par jour, ça va quoi. En plus c'est qu'une moyenne. Bon, celui-là marche correctement. Le siège casino, ça a un peu augmenté, mais on peut toujours pas l'améliorer. Le casino romain. Alors, il marche toujours un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Programmer un événement. Comme d'habitude, on va faire un concert de rock. Il y a encore un autre casino. Ici. Bon, celui-là, il marche très bien. Et le casino coquet, il marche bien aussi. Donc ça, c'est cool. On commence à gagner un peu plus d'argent. Ils sont toujours contents et de plus en plus. Par contre, la criminalité nuit aux affaires. Là, je vois vraiment pas... En plus, les magasins, ils sont dans le centre. Il y a pas de criminalité dans le centre. Voilà, il y a... la police, elle commence à être de plus en plus présente, mais ça va, hein, sinon la criminalité des magasins. Bon, ensuite, on va regarder les marchandises, de où elles viennent. Donc ici, on nous envoie presque 3000 marchandises. Et là-bas, 500, d'accord. Ouais, il y a un gros problème. Bon, ouais, c'est vrai, ça fait déjà 25 minutes que la vidéo a commencé, quand j'ai fait l'ellipse, donc on va bientôt arrêter la vidéo. Ouais, et là, ça va faire... On est en novembre, donc on a fait 4-5 mois, là, à peu près. Bah, c'est déjà bien, on a passé de 150 000 à 180 000 habitants, 30 000 en plus. C'est pas mal sur une vidéo, quand même. Bon, et ben, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, ouais. Bon, et ben, on va vérifier encore 2-3 trucs. L'électricité, ah, on est tout juste. L'eau, on est tout juste. Bon, ça, c'est bon, j'ai rétabli le truc. Les poubelles, bon, là, c'est même plus possible. Enfin, quoique, ouais, il n'y a que 13 heures, c'est pour ça. Les bâtiments incendiés, on est parfait. Les morts par jour, on est parfait. Et les crimes commis, bah, c'est bon. On a rétabli le truc. Il reste plus que les zones rouges redeviennent blanches et puis c'est bon. Bon et ben c'est sur Arras qu'on va terminer cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un pouce vert à la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne. Et ben on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.